petite sœur yake alikuwa anakia mugari ile mazero ile njoo kaona moto iko na toka njoo kaanza toke kwa malupango njoo tukakuya tukabomola nyumba vikashindikana tukaona akatuambia ke grand frère yake kwamo le grand frère yake akakuwa sema tumtupie majue njoo abomole nyumba ingie tukamtupia majue mema mantivole zilikuwa za kidogo alianza pitisha miguu ikashindikana mantivole zikakatala bomoka na njoo nyumba ikaisha vile. Bon, en fait, il croit beaucoup ça, non? Ma minuit passée. Tout le stock a tout une en flamme et en monte qu'on a pas en d'ailleurs. Nanjo tout a tout carinjo, tout a chimama au balcon. Tout qu'on a tout nyumba isha lungula bia sana. Donc tukaona hakuna tena kitu wa kurekipere, flame inapanda yulu sana. Nilikuwa na viangalia tukuli niko na flame ya teri. Quelle serait l'origine? Il sera difficile de le dire, mais on va essayer de retracer un peu parce que ici on nous a dit que c'était à 0 heure, il n'y avait pas du courant. Et probablement à 0 heure, tous les amis étaient déjà au lit. Donc on sous-entend que l'effet peut provenir de l'origine criminelle. C'est que Luc a été, doit nous servir de modèle pour suivre sa lutte pour qu'à tout prix notre pays sorte de cette situation de non-état et que la vie des compatriotes soit prise au sérieux de sorte que cette vie-là soit préservée contre des menaces banales comme celle-ci et que si jamais cela pouvait arriver, qu'on réalise qu'il y a un état soucieux de la vie de ses citoyens qui peut chercher à savoir quelles sont les traces et prendre des mesures pour que plus jamais cela ne se produise. Mais quand cela ne tienne, Luc a été pour nous un vaillant héros, un modèle d'engagement, un modèle de courage, de détermination. Je suis convaincu que le message que Luc a laissé, a transmis au sein de la jeunesse de toute la RDC, cette semence-là pourra produire des effets et pourra inciter beaucoup plus d'autres à s'engager activement pour le changement dans notre pays.